Salut Tubeur, aujourd'hui je suis dans le parc naturel du Morvan pour une randonnée de 16 km qui va me conduire jusqu'au rocher de la Pérouse. Et je vais aussi longer la cure pendant un bon moment, donc j'espère trouver des coins sympas et puis des belles vues, donc ça doit être cool. Donc là je suis bien au nord du parc hein, parce que je vais même passer dans l'Yonne, le rocher est même situé dans l'Yonne en fait. Donc voilà, bon, moi j'en ai tranquille, hein. Le ciel est pas top top, mais ça devrait se dégager normalement. Ça devrait le faire. Allez Tubeur, c'est parti, on y va. Le chemin est tip top. C'est le Morvan, c'est la nature. Donc au fond on voit des collines du Morvan. C'est pas mal. Après une petite descente, on arrive dans la vallée d'Acure, qui est juste ici. Donc là, il y a un pont pour la franchir, en fait. Et moi, je vais longer de l'autre côté. Donc là, il y a même un panneau interdit aux 2 tonnes. Mais je ne sais pas comment une voiture peut arriver jusqu'ici. Déjà. Donc voilà, la nature. Même une petite plage ici. Du sable. Oui, bien fraîche. Le chemin est super agréable en fait, on longe vraiment la cure ici. Là. Donc, pas pour longtemps parce que moi après je vais tourner direction le rocher qui doit se trouver plus en hauteur. Hein. Donc là on voit mal mais derrière les arbres. Mais c'est vraiment sympa, beaucoup de pierres, un peu de boue. Bon bah c'est le Morvan, c'est la nature. Hein. Merci le chemin, c'est cool. Heureusement, il y a une petite voie de côté. Et assez boueuse quand même. Aïe, 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 aïe. Ça passe. Bon, ben, ça commence bien, je peux dire. Je pense que je vais finir assez crade ce soir. Ah oui, puisque même ça continue même là. Oh là, ce travail. Oh. Et ben voilà, je l'ai faite. Ah, merci la boue, c'est gentil. Donc le chemin il est carrément fourreux. Bon, c'est assez cool hein, quand même, c'est le Morvan. On devine les sommets, on voit, en haut. Vraiment la nature, c'est franchement c'est top. Donc à la fin ça devient pratiquement d'escalade même. Donc là on n'est pas très loin. Hein. Mais ça monte en fait. Depuis la cure hein, ça monte. On arrive au rocher de la Pérouse avec une vue pas trop mal. La petite table d'orientation qui est juste là en bas. Donc on descend entre les pierres avec des petits escaliers.
Oula, si je m'approche de la table, ah, mon crochet de la Pérouse, 556 mètres d'altitude, avec le panorama. Donc moi je suis parti du petit village qui est juste là, au pied de la colline. J'ai descendu jusqu'à la cure, qui est tout en bas, remonté ici par la forêt, tac 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 tac, pour venir ici. Au rocher de la Pérouse. Vraiment un beau paysage. Et maintenant, je suis au rocher de la Pérouse, juste ici. Je vais descendre jusqu'aux îles Ménéfrier, longer la cure. Prendre par ici, arriver à Dun-les-Places et puis revenir à mon point de départ, Bonnaret. Voilà, voilà. Petit chemin tranquille. En plein milieu des bois, il fait beau. C'est cool. Et je retrouve le petit chemin juste à côté de la cure. Voilà, donc, franchement là c'est paisible, hein. c'est très paisible, c'est rien à dire. Le coin est vraiment bien. Faire trompette, ah ouais, voilà, c'est c'est cool. Bon, c'est vraiment super apaisant, hein, marcher ici. Hein. Entouré par la cure en fait, la cure et de l'autre côté la forêt, voilà quoi. Il n'y a pas un bruit que les petits oiseaux, que le bruit de la cure en fait, c'est... Que dire, hein, c'est... Ouais. Il n'y a pas de mots. On arrive à une petite cabane, juste là, juste au bord de la cure en fait. Hein. Toujours dans la forêt Doménial-le-Duc. Allez, même petite table là-bas pour pique-niquer. Ah, puis en fait, une table et des bancs. Et juste à côté de la cure, coin idéal pour venir pique-niquer, se baigner, enfin tout, pêcher, la totale, et un petit abri. Donc moi je suis
Je sais pas où. Ah, je suis là. Tac, ici, je dois être ici, là, voilà, là, il y a le rond, là. Je sais pas si on voit, ici, ouais, voilà. Donc maintenant, je vais suivre ici. Je vais prendre ce petit chemin-là, tac, 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 je vais rejoindre la route, en fait. Passer ici, venir là, traverser la cure, et redescendre de l'autre côté, en fait. Et voilà le fameux pont. Donc là, apparemment, je récupère un GR. Juste ici, tac tac, et encore un PR. Et voilà de nouveau la cure. Vraiment très sympa. Et me voici arrivé au GR. Donc c'est le GR13 en fait, c'est le GR du Morvan, toujours. GR Tour du Morvan. Bon, vu la tête du chemin, à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dois grimper tout en haut, là. Ah, ça grimpe bien. Si je me retourne, par contre, ouais, j'ai commencé à avoir une petite vue sympa. On va s'arriver au sommet. Là, je reprends mon souffle. Alors, par contre, c'est en pleine forêt. Je suis toujours le GR pour l'instant. Alors là, c'est le chemin est encore en pleine forêt, en pleine hauteur. On trouve encore des trous. Bon, facilement évitable. Et maintenant, j'attaque la descente. Voilà, par là, toujours dans la forêt. Donc on voit absolument rien. Donc là, je prends la direction du vieux Dain. Je vais passer par deux petits étangs. J'espère seront dégagés. On arrive à l'étang déroulé, juste là, on voit très mal parce que c'est en pleine forêt en fait. Je vais avoir une petite vue quand même bien. Voilà, juste ici. Voilà, on a une meilleure vue d'ici. Forcément, c'est une onde de chemin qui est juste là. Encore et encore. Ah, c'est pas possible. Hein. Passage en direct. Ah, ok. Pied. Oh purée. Ah. Impeccable. On a encore un ruisseau en contrebas, donc c'est pas la cure. Hein. C'est ce qui doit alimenter la cure, mais alors d'où, je sais pas. Ou un petit bras de la cure, je sais pas. Papa, il n'y a rien de marqué sur la carte et je vais me casser la gueule. Donc là, je suis encore en pleine forêt, ça descend. Encore, ça descend assez raide.
Ça vient de ce champ en fait. Donc je sais pas du tout ce que c'est pas indiqué sur la carte, c'est un ruisseau. C'est assez. Ça coule en tout cas. Ça coule bien. Bon, ça doit se diriger vers la cure à mon avis. Hein. Ça fait des coins sympas, très sympas. En fait, on mange ce ruisseau. C'est une bonne surprise parce que c'était pas prévu au programme. Ouais, c'est super sympa. Donc, ça doit venir, à mon avis, de l'étang qui est un petit peu plus loin, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est en même direction. Ah, c'est vraiment très sympa. Donc, le temps il doit être juste par là, de l'autre côté, ouais, juste après le pont. Là. Ça doit être ça. Ouais, il est juste ici. Encore ici, là, mais bon, on voit très très mal. Hein. On s'est fermé, donc ça doit être une propriété privée, je pense. Bon, je vais voir, parce que peut-être de plus haut, là, le chemin est grimpe, donc on va peut-être le voir de plus... Un peu mieux, de plus haut. Non, pas mieux. Donc c'est bien privé, il y a une petite cabane là-bas, là. Donc l'étang, il est juste derrière les arbres, en fait, on le voit très très mal, quoi. Bon, il paraît un petit peu plus grand que l'autre, effectivement, mais... Enfin voilà. Donc ici on voit bien qu'on est dans le Morvan hein, parce que tout de suite il y a du relief partout. Hein. La nature, la campagne, les vaches. Donc retour tranquille dans la campagne. Ça devrait être sans grande difficulté. Très sympa avant de rentrer. Donc je suis encore sur le GR, là, le GR du Morvan. Il y a même les marques ici. Ah, la bouche, c'est jusqu'au bout. Hein. Forcément. Hop là. De la boue partout.